Voici l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, le premier film de l'histoire du cinéma qui effraya les spectateurs, puisque épouvantés, ils crurent que les locomotives qui approchaient allaient traverser l'écran. Avec ce film, qui provoqua une énorme sensation, Lumière comprit que le cinéma avait affaire avec le spectaculaire. Sur le quai de gare, nous voyons passer la famille Lumière, mais au-delà de sa notoriété, ce film doit être jugé d'un point de vue esthétique. Regardez en effet le travail sur la composition, cette façon que Lumière a eu de faire entrer la locomotive dans la diagonale qui partage l'écran en deux parties.